Après plusieurs vidéos sur Eternal Senia, que je vais continuer encore, et une petite vidéo test de la loose et un putain de fichier Fraps qui a été créé et qui est chelou, comme celui que je vous avais montré dans Pierre Solar, que Fraps, parce qu'à l'époque Fraps m'avait déjà créé un fichier du même genre en reprenant des vidéos, moi. Ce qui est chelou, c'est qu'il reprend à la fois les vidéos officielles, c'est-à-dire celle que j'avais montée au final avec AVS, et les fichiers que j'ai utilisés pour reprendre. Parce qu'il y avait certains trucs que vous n'avez pas vu dans la source de GTA 5 parce que je l'avais coupé. Ben, ça se retrouve dans cette vidéo. Et franchement, si vous l'avez regardé, en tout cas, globalement, parce qu'il y a pas mal de passages où il y a des gros blancs, je vous l'ai mis tel quel, je voulais pas couper, hein, parce qu'après sinon vous sentirez que c'est craqué, hein, que je l'ai monté, non. Non, quand... Et vous me dites ce que vous en pensez, c'est chelou. Ça me fait bizarre, surtout que les fichiers, ils sont disparus de mon ordinateur, donc, parce que je les ai supprimés. Ils sont plus dans la corbeille, donc je comprends pas comment il arrive à faire ça. Et si Fraps arrive à me faire ça, faut m'expliquer comment, et si j'arrive, je voudrais bien l'exploiter pour pouvoir revoir les vidéos des Movies Horror Show que j'avais supprimées comme un con. Ah, parce que j'avais fait boubou. Je voudrais bien les revoir. Donc, si Fraps pouvait m'aider en me remettant des vidéos... comme ça et pas celle que j'ai réussi à mettre, ça serait utile. Bon bah voilà. Sinon on se retrouve pour un petit mode extermination sans Steve. Ouais. Bah mais je vous promets prochainement vous aurez du Steve. Ah oh, je sais, toutes les meufs l'adorent. Ah là là, il y a tout le monde qui va me faire chier d'habitude. Eh mais il est où Steve? On l'a plus dans les vidéos. Et ben je vous dis, c'est ma chaîne. Est-ce qu'il y a le nom de Steve sur ma chaîne? J'ai réussi à faire un an avant que Steve arrive dans ma chaîne. Et ben pendant ces un an, ça marchait bien. Ah. Enfin bref. Donc aujourd'hui, pour le mode extermination, on va faire normal, on va pas se faire chier. Ouais, sinon, je pourrais faire en expert, mais... ça va prendre une heure et demie. Je prends une heure et demie à faire un mode extermination hors vidéo en expert. On va faire en normal. Ah oui, parce que si, vu que les ennemis sont un peu plus coriaces, c'est un peu plus chaud. Et on va faire une mission... espèce menacée. Salut! Oh, mon petit... Oh! Billy Jack, c'est toi? Qu'est-ce que tu fous là? On s'en fout de lui! Mais non! Ok. Salut! Ça commence bien! On va les troller! Ta gueule! Ta gueule! Putain! Ta gueule! Relève-toi! Ok, elle s'en branle, je viens de tapasser son pote. Elle s'en branle. Ça va? Ouais, toi? Ah bah enfin! Voilà! Alors, on dit quoi maintenant? Monsieur le sénateur! J'ai une surprise! Oh putain! Oh vite, vite, je me planque. Ils me verront pas! Putain. Eh. Comment tu sais que je suis là, toi? Allez, ta gueule. Ah! Fils de pute! Putain, je mens. Voilà! Putain, y'a l'autre qui va s'enfuir. Et ce qui est drôle, je m'en sors moins bien qu'en expert. C'est une foutage de gueule. Mais ta gueule, voilà, reste sur le lit, fais chier. Personne n'a rien vu. Nickel ni connu. Vas-y, on se barre. Salut. Fais la malette, tu con. Voilà. Ta mère. Allez, crève. Putain de plante. Ouais. Voilà. Putain le carnage. Toujours chanter une chanson d'Orient. Ça marche toujours, ça les déstabilise. Ouais, ouais, on te rejoint à Garden.
Mais attends, d'abord, je vais buter ce fils de pute. Bon, alors, ni vu ni couille, ensemble, y aller, on y va, parce que là, il n'y a pas que ça à faire. Comment ça, j'ai commis un putain de génocide? Je vois pas ce que vous voulez dire. Non, toi, tu vas pas crever. Je viendrai te sauver la vie, quand j'aurai flingué tout le monde, accessoirement. Question conne, il reste quelqu'un ou j'ai tué tout le monde? Ok, on va se faire un malin plaisir. Eh Bob, ça va Bob? Je te l'ai amené la manette? Ouais, bon ben je lui ai ramené la manette. Alors, je vais lui péter la gueule. Voilà, et ben voilà, il a appelé la manette. Et il va pouvoir prendre ça. Voilà, file-moi le Tokyo Walkie aussi. J'ai une bite. Ah non, c'est pas moi qui parlais, ok. Pour une fois que c'est le tireur que je vais tuer en dernier, d'habitude c'est toujours le premier que je flingue. Hein, d'habitude c'est toujours le premier. Voilà, alors, tu m'offules ça. Bon, hormis le fait que j'ai tué tout le monde, les gars, ça vous choquerait pas un minimum, au moins? Bon, il reste plus beaucoup de gardes, hein, je remarque, accessoirement. Ouais, bon, il faut que je localise où il est, l'autre con. Eh ben, va avoir du mal. Parce que, tu vois, je l'ai un peu buté, mec. Putain, fallait que j'ai plus assez de munitions. Mais revenez! Je vous jure, j'étais gentil. C'est qu'une balle et on se retrouvera à Bordeaux. Alors toi, t'as rien vu. Salut. Bonjour, vous avez rien vu. Ouais, Bob, fais-moi le couteau, ta mère. Voilà. Attends, Bob. Bob. Voilà, ta gueule. On se retrouve plus loin, salut. Qu'est-ce qui se passe? Bah alors, bah... Ah ouais. Il était peut-être temps. Bon, attends, là... Attends, non, le deagle, je le sors un peu plus tard. Pour le moment, je garde quand même ce flingue. What? Mais espèce de putain de pétasse de salope! Oh putain. Ils sont tous malades dans le coin. C'est marrant, mais c'est pas dans mon imagination d'un costume rock. Allez savoir. Oh putain, là, il est tourné vers le truc. Donc, je pense pas passer tout de suite. Et on garde la bonne, hein, évidemment. Voilà! Oh putain! Ok, le cadavre il est tombé. Et voilà! J'ai empêché, attends, la mort du sénateur. Oh, par contre, je veux me faire un petit plaisir là. Attends. Voilà, lui il est mort. Et je veux avoir le dernier. Attends. Ah putain. Attends, je veux l'avoir lui. Ah lui, je le sens bien. Allez. Voilà. Putain, mais c'est quoi ce mec? Ah bah voilà! Bon, ça va le sénateur? Voilà. Je suis là pour te protéger. Bon alors. Putain, mais c'est quoi ce deagle de merde? Bon alors. Voilà. Je vous jure, c'était pas moi! Oh bon, on va aller vous faire foutre, hein. Chut. Voilà! Et on laisse l'arme ici. Personne n'a rien vu. Et moi, je vais reprendre mon fusil Space 2 et je vais aller dégommer les gens. Salut! Voilà! Alors ça c'est fait, maintenant je vais prendre son MP9 et son oiseau de garde, voilà. Bon alors, quelle barre j'ai pas encore vraiment fait chier, bonne question. Eh, c'est le blues. Eh, vous avez le blues, hein. Oh, il a une tête de con, t'as une tête de bite, t'as une tête de salope. Oh la mort là. Joyeux anniversaire! Oh, bon allez. Voilà.
On va remettre le costume un peu de chef. Joyeux anniversaire! Hey mec, t'es veuf, tu devrais être content, non? Non, il est pas content? Il est pas content? C'est ça, vas-y, fais la gueule tant que tu y es. Putain, culé, va. Allez, pour finir, alors. C'est la salsa du démon, c'est la salsa du démon, c'est la salsa du démon. Allez, mettez du Ricky Martin, on se marre un peu. Martine! Ah bah Martine, elle est morte. Allez, on y va, hein. Ah, c'est dommage, je voudrais tellement prendre les costumes des gardes du corps, mais je pense qu'il me faudrait des modes ou des trucs comme ça, je pense. Voilà. Oh, mais j'ai fait un beau score, 41 témoins! Oh là là, mon meilleur score. Cadavre découvert, cancer, tir en pleine tête, accident 1. Victime, meurtrier en série. Ah, heureusement que la notoriété c'est de la merde hein, en mode normal, hein, parce que là normalement tout le monde m'en rigolait. Hein. Je suis d'accord hein, sur ce sujet. Mais comme c'est de la merde! Ouais! Martin en Syrie tue 84 innocents. Ouais, il a été retrouvé mort, voilà. Envoyé, ouais, ça va. Bah, avec blessé 4 autres personnes, 20 officiers de police sont morts, 55 invités, voilà, c'est des professionnels de la sécurité. Enfin, pour monsieur Kunissier aussi, il était tué. Ah, ils ont pas vraiment compté les gardes du corps. Hein. Ensuite, sur la mort des gardes armés et des agents de sécurité, les médecins ouais, essaient de sauver les 4 victimes, et 4 victimes étaient des invités innocents. Voilà, les traces de balles, comparaison des blessures, supposé que c'est... Ah, comment ça, j'ai des talents limités? Comment ils savent que j'ai un fusil personnalisé? Voilà. Une victime, et ouais, a découvert plusieurs cadavres avec bouquet son tueur. Et 40 témoins disent avoir vu le campagne essayer de bouger juste piste en changeant d'apparence. En tout cas, j'espère que ce délire vous aura plu. On se voit prochainement pour d'autres aventures.